La Fédération royale marocaine de football marocain va organiser la Coupe d'Afrique des Nations en 2025. Les matchs du premier tour détaillés dans cette édition. L'ancien chef de gouvernement ivoirien Patrick Hachi bénéficie d'une bourse du Centre de développement international de l'Université de Harvard. Le festival Réminiscence se poursuit en Côte d'Ivoire. La transmission de la musique numérique était au cœur d'une rencontre entre passionnés. Voici pour le sommaire, bienvenue à toutes et à tous. Alors que le vainqueur de la CAN 2023 n'est pas encore connu, le Maroc se prépare à organiser la prochaine grande messe du football africain. La Fédération royale marocaine de football marocain a annoncé que la compétition se tiendra en été. Ainsi, le tour préliminaire de cette compétition débutera le 18 mars 2024. Les matchs du premier tour et ceux du deuxième sont programmés du 2 au 10 septembre 2024, ceux du troisième tour et du quatrième étant prévus du 7 au 15 septembre. Quant au dernier tour des qualifications, il aura lieu du 11 au 19 novembre 2024. La Fédération marocaine a par ailleurs annoncé par la même voie le renouvellement de sa confiance au sélectionneur Walid Regragui en dépit des rumeurs l'annonçant sur le départ après l'élimination des Lions de l'Atlas en quart de finale de la CAN 2023. Ce midi-là, les menus d'Amandine sont à moitié prêts. La jeune restauratrice propose différents repas en tenant compte de la Coupe d'Afrique des Nations qui a lieu dans son pays. Pendant la CAN, nous pouvons proposer beaucoup de plats tels que les plats africains. Il y a la sauce graine, la sauce du plakali, la sauce guawassou et puis du tchap aussi. Mais ce business n'est pas toujours rose. Au restaurant Larama de Cocody, cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations n'attire pas la clientèle pour autant. Jusqu'à 48 heures avant le début de la CAN, les restaurateurs que nous sommes, on ne savait pas trop à quel sein se vouer. Cette télé, par exemple, je l'ai achetée la veille de la CAN. J'étais prête à me lancer dans un budget financier de beaucoup d'argent. J'ai dû lever le pied parce que je me dis la communication, elle est un peu restreinte. Résultat des courses, on ne voit personne d'officiel manger dans nos restaurants. Mon restaurant est situé à même pas 5 minutes de l'Hôtel d'Ivoire. Côté Stade d'Abidjan, tous les grands hôtels d'Abidjan, du plateau, s'ils sont remplis, que ça déborde naturellement, je dois avoir du monde ici. Mais le monde que j'ai, c'est mes clients habituels. Donc, ça n'a pas été une bonne occasion pour moi. Scène identique à quelques mètres de là. La clientèle de Fatima ne fait pas le poids en matinée comme en soirée. Au niveau de nos restaurants, la CAN n'a pas vraiment été une opportunité parce que, au contraire, parce que lors des grands matchs qui se jouent à l'intérieur, nous voyons nos restaurants complètement vides parce que la population se déplace. Donc, à notre niveau ici, on n'a pas vraiment senti la CAN. Opportunité pour certains, moins bénéfique pour d'autres. La Coupe d'Afrique des Nations représente tout de même un événement majeur pour la gastronomie ivoirienne. Des menus spéciaux sont même prévus par des restaurateurs pour terminer cette compétition en beauté. On en sait davantage sur l'actualité de Patrick Hachi. L'ancien Premier ministre a trouvé refuge dans le monde académique en tant que chercheur invité au Centre de développement international CID de l'Université Harvard pour l'année 2024. La note d'information a été publiée sur le site internet de la prestigieuse université. La cohorte de boursiers dans laquelle se trouve l'ancien chef du gouvernement ivoirien va consacrer son temps à la recherche, à l'écriture et ou à la participation en classe, contribuant ainsi à approfondir la compréhension du développement international. Selon la note du Centre de développement international de Harvard, Patrick Hachi concentrera ses recherches sur la lutte contre la lenteur de la transformation économique et humaine. Une intégration satisfaisante pour la directrice exécutive du CIV, Fatema Zoumar, qui se réjouit de l'expérience et du leadership de Patrick Hachi dans la promotion d'une croissance économique inclusive en Côte d'Ivoire et dans la région. Nommé en mars 2021, puis reconduit en avril 2022 à son poste lors d'un léger remaniement, l'ex-premier ministre Patrick Hachi a été remercié en octobre 2023 au profit de Robert Begré-Mambé. C'était l'un des grands moments du festival La Réminiscence. Le 1er février, les passionnés de musique se sont réunis pour partager leurs expertises autour du thème « Conservation et transmission de la musique numérique » à l'Ivoire Vinyl Club. La réunion était très intéressante parce qu'il y a des gens qui ont des points de vue sur la question du de la musique aujourd'hui, du patrimoine, la préservation et aussi la diffusion de cette musique. Alors, il y a la question des supports, il y a la question de la,
monétisation, c'est-à-dire l'argent qu'on peut ressortir de tout cela, les droits, le fait qu'on va pouvoir enfin rémunérer les artistes en Afrique à leur juste valeur. C'était fort intéressant, très très intéressant. Les panélistes ont par la même occasion insisté sur l'utilité du vinyle, meilleur moyen d'écoute de musique. Vinyle versus le digital. Personnellement, je ne pense pas que les deux soient antagonistes. Okay, je pense qu'ils se complètent aujourd'hui. Le digital permet de découvrir des artistes et le vinyle permet de les écouter dans les meilleures conditions qui soient. Parce qu'aujourd'hui, depuis les années 50, on n'a pas trouvé une meilleure source, meilleur support musical que le vinyle. Et il est clair que l'écoute musicale autour d'un disque vinyle n'a pas la même chaleur, la même émotion que l'écoute pour mon numéro. Plusieurs titres classiques d'artistes ivoiriens ont joué pour clôturer cette rencontre. C'est la fin de ce 7 minutes. Très bonne suite de programme sur cette info et sur cetteinfo.ci.